Yo mes petites libellules, c'est Fouflet, bienvenue sur l'épisode numéro 29 de World of Warcraft, objectif 90, et allez, pour le plaisir, je vous l'ai dit, en version belge, objectif 90. Ah, tout de suite, c'est beaucoup plus exotique, là, on se sentirait presque avec un cornet de frites, et puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis une bonne bière et du chocolat. Ah, voilà, on est bien installé, et on va pouvoir regarder l'épisode numéro 29. Quel bonheur! Donc la dernière fois, vous vous rappelez, j'étais avec Zenkiki, un apprenti druide, un PNJ. Je précise, c'est pas un joueur qui avait quelques difficultés à faire ses attaques. Par exemple, il était censé m'aider à tuer des animaux et puis se parfaire dans son éducation de druide. Mais malheureusement, par moments, il buguait un peu, du genre, il tournait le dos aux ennemis, il sautait un peu partout, il se transformait en otarif. Enfin voilà, il ne maîtrisait pas totalement son petit boulot. Voilà, c'est pas très intéressant ce que je fais là tout de suite. Hein. Vous avez remarqué, je vide un petit peu mes sacs. Ça, c'est l'épée qu'on m'a offert. Je vais l'utiliser. Voilà, ouh, une belle petite épée un petit peu courbée. Alors, et j'ai encore une quête avec Zenkiki, mais comme Zenkiki n'est plus avec moi là tout de suite, puisque j'ai Deco et Rocco entre l'épisode 28 et 29, je l'abandonne et je vais la reprendre. Et donc, je vais avoir mon super pote, Zenkiki le druide. Attention, allez. Yeah, Zenkiki, prêt à chauffer, mec, yeah. Allez, on va aller en dada, et on doit... tuer des faucons malades. Mais ouais, avec Zenkiki, franchement, j'ai l'impression de faire Martine vétérinaire, là, vous savez. Je dois tuer tous les animaux malades du coin, en fait. Voilà. Bon, on les soigne pas ici, on les euthanasie. Alors, où sont ces faucons? Déjà, je suis dans la zone. J'ai remarqué qu'il y avait un petit truc à récolter. Alors, j'ai vu des ombres de faucons. C'est ça, là-haut? Waouh, c'est haut! Je les chope comment, moi? J'ai pas de petites ailes, les montures volantes, c'est pas encore à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, on va récolter du fer. Comme ça, on n'a pas tout perdu, et nous prenons le fer. Et puis bah oui, hein, le petit moment des coucous quand même, puisque ceux qui commentent la vidéo précédente, je leur refais un petit coucou dans la vidéo que je fais là maintenant. Alors, salut Maxime Pérez, il demandait si je vais faire des raids. Bah écoute Maxime, pour l'instant, j'ai pas le level. Et on verra une fois que je serai level max, donc pas tout de suite, si je suis toujours tenté de continuer à faire des raids ou des choses comme ça. Ensuite j'ai Zaoling. Voilà, Zaoling, coucou. Zaoling, c'est le petit druidou, donc coucou à toi. Blazy Game Tester, qui lui préfère Star Wars The Old Republic, apparemment. Y a qui d'autre? Alors, la personne que j'appelais tout le temps Teddy Craft, qui en fait s'appelle The Dry Craft. The Dry Craft. Voilà, ça c'est fait, désolé pour la prononciation. Cédric Mook, qui s'est planté dans ses petits messages, mais c'est pas grave, ça m'a fait rire. Il a commenté une vidéo en parlant d'une autre, enfin voilà, il s'est inversé, moi j'ai trouvé ça marrant. Nous avons Mural, Seonag Alex, Mr. Larkocool, Tom Dumont, Kiki Cantinou, y'a qui d'autre, Zionux. Voilà, je pense que je les ai tous faits. Enfin, j'espère. En tout cas, merci à vous qui avez commenté cette vidéo, parce que moi, j'adore les commentaires. Alors, comment je fais pour les choper? Parce que là, vous voyez, j'en chie un petit peu, je ne sais pas comment je les chope. Je ne peux pas l'attaquer. Non. En plus, vous avez remarqué, j'ai un joli bug sur mes icônes de sort. Je ne sais pas pourquoi, j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, ouais, j'ai 5, 6 icônes de sort là qui sont. Elles sont toutes caca, toutes moches. Mais bon, j'ai pas beaucoup de sorts donc ça va, je sais à peu près lesquels font quoi, malgré l'icône toute merdouilleuse. J'ai pas envie de déco-reco, j'espère par contre qu'à ma prochaine reconnexion dans le jeu pour la prochaine vidéo, j'espère que les icônes seront débuguées. D'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce bug là, d'avoir les icônes, comme vous voyez là chez moi, qui sont. Elles sont toutes caca? Je sais pas pourquoi. Bon, et lui, là, ce personnage ici, là, qu'est-ce qu'il me fait? En fait, je crois qu'il me vole mes mobs. Je pense, on va voir. Là, il en attire un. Faucon malade. Ok. Coucou Deathwing. Alors oui, au moment où j'étais en train de jouer, j'ai pas vu que tu me parlais. Là, je commente par la suite. Et du coup, là, je me rends compte que j'avais pas vu que tu me parlais. Donc, je suis désolé. En tout cas, je te fais un coucou et j'espère que tu vas très bien. Ça m'apprendra, j'ai pas fait gaffe. Pardonne-moi, s'il te plaît, ne m'en veux pas, je ne suis qu'un petit Fouflet sans défense. Comment il s'appelle, la Duri Michoubi? Ça continue comme ça, ça va pas pouvoir continuer. Hein. Bon, là, ça va, il a compté pour moi, donc c'est bon. S'il te faut un Zenkiki, tu abandonnes ta quête et puis tu la reprends et tu auras de nouveau ton Zenkiki. Regardez, et là, ça va pas compter pour moi. Voilà.
Parce que je suis trop lent et il y a l'autre là qui est au taquet à côté, ça m'énerve. C'est quoi ce ninja là? Sérieux, mec là, dégage. Allez, je vais aller un peu plus loin. Ah, les Zenkiki. Ah bah évidemment, puis Zenkiki il en attaque un qui est au-dessus de la tête de l'autre. Bon, celui-ci. Ah, c'est pas pratique à sélectionner. Allez, vite. Voilà, je pense que là, c'est moi qui l'ai attaqué en premier, j'espère. Donc, il devrait compter pour moi. Putain, il m'emmerde ce Durimichoubi de l'Alliance, là. Ah, dégage. Abandonne la quête et reprends-la, tu l'auras ton Zenkiki. Bon. Voilà, celui-là, ça sera pas pour moi. Ouh, zen, soyons zen. Ta-da-da-da-da-da. Allez, je vais le laisser le finir. Voilà, c'est bien, il est content. Dégage, allez, putain. Allez, c'est bon. Il n'y a plus de ninja, de Zenkiki. Nous allons pouvoir continuer tranquillement et dans la zénitude, la plénitude la plus totale, cette vidéo, j'ai envie de dire. Hein. Allez, miaou! Voilà, ça c'est Zenkiki, vous voyez. Entre-temps, il a pas trop bien appris ses leçons de druide, parce que là, il est en train de faire miaou partout, sauf sur le mob. Ah si, quand même, il a lancé un petit éclair, ouh, histoire de dire qu'il a fait quelque chose. Allez, on est à 3 sur 7. Fini les gouligoulis, mec. Ok, on arrête les gouligoulis, mec. Je ne sais pas ce qu'est un gouligoulis. Je connais la chaîne de télé pour enfants qui s'appelle Gulli. Mais arrêter les gouligoulis, je ne connaissais pas. Mais c'est très mignon comme expression. Allez, pouette. 619 points de dégâts dans ta tronche de piaf. Et moi, en plus, je suis tout vert. Voilà, 516 XP. Gentiment gagné, honnêtement, sans voler le mob de personne. Je dis ça, je dis rien. Évidemment. Ah, ben oui aussi, mes petits kiki dodus. Si vous aimez cette vidéo, faites un petit j'aime. Et puis si en plus t'as envie de commenter, qu'il y a tes dessous de doigts qui te démangent avec tes petites touches dans ton clavier qui te font « Ouh, écris des mots à la fouflette attitude. Oh oui, écris un commentaire sur cette vidéo. » Donc si tu entends les touches dire ça et que ça te chatouille sous les doigts, lâche ton commentaire sur la vidéo. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Attendez, c'est un plaisir de regarder sa page YouTube et de voir qu'on a des personnes qui s'intéressent à la vidéo, qui posent des questions, qui participent, et du coup, moi, je participe aussi aux discussions. Non, franchement, c'est un pur plaisir. Ou un pur bonheur. Je voulais dire bonheur, et du coup, c'est plaisir qui est sorti. Mais c'est pas grave, le bonheur est un plaisir, et le plaisir, c'est du bonheur. Voilà, ça, c'était la seconde philosophique. Ah, et puis en plus, si tu regardes et que t'aimes... et que t'es pas abonné, te gêne pas mon coco. Tu peux cliquer sur le bouton abonner. Ah bah ouais, et comme ça tu rejoindras cette petite communauté qui se forme. Car aujourd'hui, au moment où je fais le commentaire de cette vidéo, nous sommes 418. Nous étions 0 il y a quelques mois. Et aujourd'hui, bientôt 420. Nous allons sur les 500. Bon, on n'y est pas tout de suite. Bon, si on pourrait l'être à la fin du mois, ce serait un formidable cadeau pour commencer l'année 2014, ça je vous le cache pas. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps, et nous suivons le petit rythme moelleux de ces progressions d'abonnés. Allez, on va se soigner, et puis on va récolter ce gisement de fer. De minerai. Bon, c'est pas énorme, énorme, mais c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Ah bah, puisque j'ai envie de dire, bah, je l'ai dit justement. Ouhouhou. Allez, je vais ramener Zenkiki. Je vais pouvoir dire à son enseignant que... oh bah c'est pas encore trop ça, mais que par contre il est très motivé le petit Zenkiki, alors ça je n'ai pas de doute. Allez madame la Taurenne. Voilà, 4070 XP ou 4070 XP. Hop. Et maintenant on va faire la suite, mais... oh, jante dame oiseau, il y a du sang royal. Voilà, un seul. Oh la grosse rapia cette plante. Alors là j'ai deux endroits possibles où aller. Soit je prends le fly et je retourne en Doral, soit je vais en haut, à la Syrie. Je pense que je vais prendre le fly et je vais aller en Doral. J'imagine que c'est des PNJ auxquels j'ai déjà parlé auparavant. Il y a un mec, là je sais pas quoi, et puis un petit gnome pas loin, et puis il y a une auberge aussi qui est complètement vide. Oui, tu peux m'aider, je voudrais un griffon avec une bonne selle moelleuse. Ok. Et ben nous voici en direction d'Andoral, où nous survolons, vous rappelez les champs ici? C'est ici que je récoltais des citrouilles malsaines et des pommes moisies ou je ne sais plus comment. C'était sympa cette petite quête, j'avoue. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, oh, j'espère aussi recroiser Zenkiki. Ah, ça me ferait plaisir d'avoir Zenkiki à nouveau dans une quête ou deux. Et je sais pas si j'aimerais qu'il s'améliore et qu'il devienne vraiment un druide hors pair, ou s'il reste un petit peu comme ça sur son côté gaffeur, je ne sais pas. Coucou! On m'a demandé de venir vous voir, là?
Ah bah voilà, il faut que je tue 3 capitaines de guerre Necrogard. Bah c'est pas n'importe lesquels, c'est des Necrogard. Donc des gardes morts en fait. Des morts vivants quoi. Et puis lui il me demande de tuer 15 Necrogard dans Doral. Ok. Oh bah c'est tout proche, c'est tout à côté, c'est trop mignon. Y'a même pas besoin de bouger loin. J'adore. C'est fantastique. Allez où? Y'a pas grand monde en tout cas dans la zone. Ça c'est un joueur ou c'est un PNJ? C'est un PNJ, ok. Mais y'a vraiment personne dans le coin. Bon, je vais prendre mon dada aussi, moi. Ah, c'est le même que toi. Alors, où êtes-vous? Bonjour, messieurs les gardes. Je cherche des nécrogardes. Pouvez-vous me dire où ils se trouvent, s'il vous plaît? Ici. Yeah. Vous ne servez à rien, franchement, les gardes. Hein. Vous êtes à côté, moi je me bats. En plus, parade, super. Et rien du tout, même pas vous bouger votre petit cul potelé de gardes de l'Alliance. Je suis sûr que si on était dans la Horde et que les gardes de la Horde seraient proches de moi comme cela, ils seraient venus m'aider. Mais dans l'Alliance, non. Vous êtes des vilains gardes. Allez. Les icônes, en tout cas le bug, bah, il est toujours là. Hein. Ça n'a pas changé. Est-ce que je vais faire un petit coup critique? Oh, 506 points de dégâts, c'est mieux que rien. On va pas cracher dans la soupe. Oh, j'ai une envie de fumer, alors je vais ouvrir la porte-fenêtre. En plus aujourd'hui, même pas il fait froid parce qu'il y a un grand soleil et il fait à peu près 24 degrés à 25 degrés à peu près au soleil. Donc c'est formidable. Allez, je vais pas chanter à chaque fois que je fais un jeu de mots, enfin que j'ai un mot qui me fait penser à une chanson. Ah, voilà, la cigarette est allumée. Je suis enfin installé confortablement. Un argent et quelques cuivres. Bon. Mais bientôt, enfin bientôt... Ah, c'est vrai que l'Outre-Terre, c'est au level 58 que je peux y accéder. Dans combien de temps je serai level 58? Ça, c'est une question que je suis en train de me poser du coup en même temps. Alors, dans un an ou deux? Non, quand même pas. Si j'arrive à faire un ou deux épisodes par semaine, comme j'ai fait dernièrement, là je crois que j'en ai fait deux, enfin trois en 10 jours, enfin quelque chose comme ça. Non, trois en... Oh, je sais plus, enfin j'en ai fait un rapidement après l'autre. Si j'arrive à en faire un tout, enfin deux fois, je ne sais pas. Je suis level 38, il me faut encore 20 niveaux. Là je suis à la moitié de mon level, je suis bientôt 30, enfin bientôt, je suis à la moitié du level 39. Mm-hmm. Tiens, viens là toi que je te massacre. Ouais, ah ce sera cool quand on ira en Outre-Terre. Ah oui, Nagrand. Ah, je ne sais même plus quelle région je préfère en Outre-Terre. Parce que j'ai joué jusqu'à Burning Crusade. Là je faisais, je sais même plus le nom des instances d'ailleurs. Il y avait une instance à 10 joueurs à l'époque. Nasram, non, ça c'est autre chose. Ah, comment elle s'appelle d'ailleurs? Elle était sur l'ancien continent, c'est un espèce de grand manoir. Casmodan, c'est pas ça. Ah, je ne sais plus, bah si quelqu'un sait me dire le nom de l'instance, le raid à 10 joueurs qu'on avait à la sortie, enfin à Burning Crusade. Le raid se trouve, je crois, pas bien loin du bois de la pénombre ou quelque chose comme ça. Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'aimais bien cette instance-là. Puis après, j'ai arrêté. Voilà. Et du coup, quelle serait ma région préférée d'Outre-Terre où j'aurais envie d'aller? Sidna Grande, parce que c'est la première qui me vient en tête, mais c'est, je crois pas que c'est celle que j'ai préférée. Laquelle j'aurais préférée? Il y a celle avec les champignons géants, marécage de je sais plus quoi, de Zangar ou un truc comme ça. Non, celle-là, je suis pas trop fan non plus. Bon, j'ai quand même bien une région que je préférais dans l'Outre-Terre. Bah en fait j'aime bien celle de départ où la Terre est orange, là, celle qu'on arrive tout de suite. La capitale de l'Outre-Terre, je ne sais plus son nom, mais je la trouvais très moche. D'ailleurs on pouvait choisir un camp, enfin il y avait deux camps dans la capitale. Oh, c'est dingue comment je retiens pas les noms. Pourtant j'en ai passé du temps dans cette capitale d'Outre-Terre. Et non, le nom ne me revient pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu, en attendant, on a déjà tué les 3 cavaliers. Voilà, ça, plus besoin de les faire. Après, si j'en ai un qui se trouve sur mon chemin, bon, je vais peut-être pas dire un nom, on va lui foutre un petit coup de masse dans la tronche. Ici. Ah, bah voilà, toi, je te cherchais, viens là. Oh non, il est quasiment... Non, j'ai pas eu le temps de le tuer. Bande de vilains. Ouh, les vilaines petites choses que vous êtes. Hop. Oh. Eh, ils sont level 40 quand même, hein. Ils ont 2 levels de plus que moi, les petits coquinous. Bah c'est pas grave, y'a pas de problème. Fouflet dans la place, 5 sur 15, encore 10.
Oh là là, puis demain j'ai 1200 km pour aller chercher ma voiture qui est en réparation car je suis tombé en panne sur l'autoroute à 600 bornes de chez moi. Donc 600 aller, 600 retour égale 1200 km sur ma journée de repos parce que le mercredi c'est ma journée de repos. Et ça me fout. Ça me fait quoi en fait ça? En fait rien que d'y penser je suis crevé d'avance de savoir que j'ai 1200 bornes à faire dans la seule journée de mercredi et que jeudi matin je reprends le boulot. Oh là là, ça va être atroce. D'ailleurs la vidéo là que vous écoutez là maintenant va apparaître ce mercredi là, ce mercredi 4 décembre. Si tout va bien avec la connexion internet, on sait jamais, hein, il peut y avoir une coupure dans la nuit, mais logiquement elle est censée être là mercredi matin, mercredi 4 décembre. Quand vous écouterez cette vidéo et que vous allez commenter, sachez que moi pendant ce temps-là, je suis en train de faire 1200 bornes en voiture pour aller chercher ma voiture qui est en panne. Et oui, la boîte de vitesse m'a lâché sur l'autoroute vers Bourg-en-Bresse. C'est pas du plaisir du tout. Donc vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite aux coms, parce que d'habitude je réponds quand même plutôt vite aux commentaires, plusieurs fois dans la journée. Là à mon avis ce sera pas avant la soirée. Puis alors si vraiment je suis mort crevé et que je reviens à pas d'heure parce qu'il y a les équitaxes et les écotaxes là qui manifestent et qui bloquent tout, je répondrai que jeudi. Mais je vais essayer quand même de répondre mercredi matin, mercredi soir. Essayez, hein, je dis bien. Mais en tout cas, ça me ferait super plaisir de rentrer de ma journée crevante pour aller chercher la voiture et de me rendre compte qu'il y a plein de commentaires et plein de j'aime. Oh, ce serait formidable. Hop. Allez, 8 sur 15, on a fait la moitié quand même. Hein. Vous avez vu, c'est pris un petit 618 dans la tronche, c'est quand même pas mal. Même si j'ai pas un équipement de fou, ça va. Bon, on peut le dire, j'ai un équipement de clochard. Hein. D'ailleurs, je faisais tellement pitié qu'on m'a offert une épée. Alors vous voyez, c'est pour dire. Oh, j'ai toujours pas choisi non plus ma récompense de parrainage. J'ai une monture à choisir ou un petit familier. Il n'y a pas photo, hein, la valeur d'une monture c'est quand même plus important qu'un familier. Je prendrai une monture volante, ça c'est clair. Bah, j'hésite hein, toujours entre la fusée et l'hippogriffe, là, je sais plus quoi, et l'espèce de dragon violet. Enfin, j'ai plus les noms en tête, mais j'hésite entre trois. Voilà. La fusée, elle est bien parce qu'elle est fun et tout, on peut faire monter un passager dedans, mais... j'ai peur de m'enlacer vite du skin de fusée. Faudra que je réfléchisse à ça. Je dis que je vais y réfléchir à chaque fois, mais j'oublie. Et puis j'y repense que quand je me connecte. Et puis du coup, ben... Et ben voilà, je choisis rien. Mais il va falloir que je choisisse. Allez, un petit soin. Un dada. Ah, dada, c'est sûrement bidet. Non, celle-là, je l'ai déjà chantée à la dernière vidéo ou à l'avant-dernière. Donc on va peut-être pas la rechanter deux fois quand même. Si ? Ok. C'est vous qui dites, hein. Ah, dada, c'est sûrement bidet. Traîne, traîne, mon balai. Je connais toujours pas la suite, hein. Ouais. Peut-être que je la prendrai, je la chanterai par cœur. Non, j'ai pas envie de l'aggro. Oh non. Tant pis, je vais être obligé de le tuer. Nécro-gardounette. Prends-toi mon épée. Vous avez vu, je me suis soigné. Ouais. Car un paladin mort est un paladin inutile. Hop, voilà. On va fermer la fenêtre. Voilà, vous avez entendu le fabuleux petit claquement de la fenêtre. Allez, mais en plus ils sont longs à tuer ceux-là, pourtant ils sont level 40 aussi comme les autres, mais ils ont peut-être plus de points de vie, il faudra que je fasse gaffe, tiens, ils ont 6700 points de vie en gros. Je vais regarder quand on compare à ceux qui sont pas capitaines. Je crois que les autres ils ont moins de points de vie. Allez, crève donc d'une pipe. Oh, nom de Dieu, ces monstres qui veulent pas mourir. Alors, ils avaient 6700 points de vie, je me rappelle déjà plus ce que j'avais dit. Ah bah ouais, ils en ont deux fois moins ceux-là. C'est donc exact, j'avais pas une fausse impression. Allez, Nécrogarde, je te juge coupable. Et moi, le juge paladin foufflet, je t'exécute. Et tu es mort, donc c'est une exécution magnifiquement orchestrée. Oui, je ne sais pas quoi dire. Allez, allez. Oh, il y en a un juste devant. Fabuleux, même pas besoin de se promener sur toute la... Oh, puis il y en a encore un deuxième pas loin. Ouh, que j'aime ça. 420 points de dégâts coup critique. Ouais, c'est pas énorme, hein, j'ai envie de dire. Allez, crève. Ouh, par contre, oui. Ma barre de vie, elle est pas une... Ah. Hop. Cool, de la soie, je vais pouvoir faire des jolis petits pansements. Hihi. Ah bah, même pas eu le temps. Tant pis. Même joueur joue encore. Motus. Je sais pas pourquoi je pense à Motus, en plus je regarde jamais ça. Oh, ils ont peut-être dû en parler sur une radio libre ce matin, je crois, sur Virgin. Il me semble... Enfin, je ne sais pas. De toute façon, j'ai Motus en... Ah, voilà. J'ai la chanson en tête. Motus. L'émission spéciale spécialement faite pour les chômeurs. Parce qu'à l'heure où ça se diffuse, on est tous au travail ou à l'école. Bon. Si vraiment c'est ton jour de repos, tu pourrais regarder Motus. Mais franchement, regarder Motus le jour de ton repos, c'est pas fantastique, hein.
Ah, ma barre de vie, j'ai pas fait attention. Ya, putain, ya. Oh. Voilà. C'est la faute à Motus. Ah, Didjou, je suis deg. Je suis mort, mais vraiment connement. Le bivouac des soigneurs. Ah bah, ça tombe bien, je suis mort. Ah, la loose. Ah, comment j'ai pas fait attention à ma barre de vie. Ah, en plus, il m'en manque plus qu'un à tuer. Bon. J'espère que c'est pas trop loin. Ah, je me rappelle à l'époque aussi de World of Warcraft, au début, quand on était en fantôme, il y avait un racial d'une seule... Il y avait une race, en fait, qui avait un racial, et quand elle était en fantôme, elle courait plus vite. Et pas les autres. Enfin, on courait, je crois qu'on courait un peu tous plus vite de base, il me semble. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'il y avait une race qui allait beaucoup plus vite en fantôme. Et maintenant, je crois que ça s'est fini, hein. Je crois que tout le monde court plus vite, sans distinction. Ah bah ça va, c'était pas très très loin, parce que des fois, c'est chaud 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 pour retrouver son chemin sur son cadavre. Alors, je suis mort par ici. Est-ce que je veux revenir à la vie? Oh ben oui, sinon je sais pas finir la quête. Si t'as d'autres questions débiles, tu me le dis. Voilà, tout est fait, c'est bon, je me suis buffé. Oh, c'était mon squelette ici, vous pensez? Non. Mais toi, je voulais pas... Oh, c'est pas grave, ça me fera de l'XP. Et puis l'XP, c'est bon pour le moral. Ah bah, oui, 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 une petite dose d'XP tous les matins avec ton petit déjeuner, t'es parti pour une journée de folie. J'avais un chaton qui apparaissait dans la gorge. Allez. C'est pas que j'en ai marre de toi, là, mais j'aimerais bien que tu meurs. Ce serait fantastique. Ah bah... Non, même pas. Allez, un petit jugement. Voilà. Y'a quoi dessus? Que de l'argent. Même pas, il y a un fantastique petit loot. Ah bah le voilà, le dernier. Bonjour. Je vous présente donc le Nécrogarde d'Andoral, qui sera donc le dernier... Pardon. Le dernier à tuer pour la quête. Et voilà. 15 sur 15. Voilà qui est fait. Alors aujourd'hui, on aura tué des Nécrogardes, des capitaines Nécrogardes, et puis avec Zenkiki, ah, je l'adore ce petit Zenkiki, eh bien nous aurons carrément tué des faucons malades. Ça fait beaucoup de meurtres, je trouve, en une séance de vidéo. On a fait du massacre, hein, quand même. Enfin, vous allez me dire, la plupart des quêtes, c'est du massacre. Hein. C'est rare les quêtes où on te dit, va me cueillir 3 pâquerettes, dans un champ de pâquerettes où il n'y a que des papillons, des libellules et des petits bisounours qui courent partout. Ça, il n'y a pas. Voilà, je viens de rendre la quête. Ah, j'ai 2 quêtes à rendre en plus. Yeah! Non, t'en vas pas, le petit gnome, là. Je peux vous aider? Oui, tu vas me donner un loot, il n'y a même pas de maille. Oh, mais il n'y a que maille qui maille. Oh! Mm-hmm. Que vais-je prendre? Je ne sais pas. Nous sommes en train de gagner la bataille, fou filet. Tant que les... J'ai pas eu le temps de lire. Tant pis. Que vais-je prendre? Que vais-je prendre? Mais je suis pas censé mettre du cuir. Allez, on va prendre ça. Tant pis, c'est pas grave. Ah, tu veux me reparler, toi? Bah, tu peux, hein. Allez. Ah, oh, cool, une petite cinématique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu flottes dans les airs? C'est un ange? Qui es-tu? D'où viens-tu? Ouh, il y a du monde. À genoux, alliance, à genoux, devant la puissance des réprouvés. Ouais, c'est ça, avec ta culotte en string de guerre, là, franchement, hein, moi j'aurais honte. T'aurais pu mettre une plus belle culotte, hein. Ah bah c'était rapide la cinématique. Et bah voilà. Et bah je vais pas reprendre la suite tout de suite. Car la suite tout de suite, et bah ce sera pour la prochaine vidéo. Donc ce sera l'épisode 30. Là pour l'instant, vous venez de regarder l'épisode 29. Et entre nous, c'est déjà fabuleux. Moi je vous fais à tous et à toutes, parce que peut-être qu'il y a des filles parmi vous, je ne sais pas. Des gros bisous, une bonne grosse poignée de main. Et je vous dis kiss 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 les petits kikis.